le fichier partagé de mandat exclusif pour ou contre ? Bonjour à tous, je suis Sébastien Tedesco, formateur de conseiller immobilier en quête de performance, d'innovation et d'épanouissement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du fichier partagé de mandat exclusif. Alors, pour expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas ce principe-là, il existe en France deux principaux fichiers partagés de mandat exclusif. Le premier, l'AMEPI. Le deuxième, le MLS, qui est notamment très puissant dans mon département des Alpes-Maritimes, et qui ont importé un principe nord-américain où l'ensemble des professionnels de l'immobilier, des agents immobiliers, mettent en commun l'ensemble de leurs mandats exclusifs et collaborent ensemble dans le cadre de ce fichier qui, aux États-Unis, représente quasiment l'intégralité du marché. Le principe est excellent dans le sens où il montre à nos clients qu'en tant que professionnels de l'immobilier, on est capable de collaborer entre nous. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça apporte un service supplémentaire aux clients, ça donne plus de visibilité au bien qui est confié en mandat exclusif. Et pour ça, c'est une très bonne chose. Ceci étant dit, je vois deux principales limites au fichier partagé et que j'ai constaté très régulièrement en accompagnement sur le terrain de conseillers immobiliers. La première limite, c'est le poids du fichier sur la zone sur laquelle vous vous trouvez. Je vais vous prendre un exemple. Dans mon département des Alpes-Maritimes, j'ai travaillé sur plusieurs communes et j'ai dirigé des agences dans plusieurs communes et je me suis retrouvé face à des situations très différentes. Le fichier partagé sur une des communes sur laquelle je travaillais ne représentait que 5% du marché, je crois à peu près 12 agences sur les 200 agences qu'il y avait sur la commune. Autant dire que lorsque vous allez en clientèle et que vous parlez de ce principe-là et que vous y mettez tout l'enthousiasme qui va avec, l'argument fait un petit peu pchit. Parce que quand vous ne représentez qu'une faible part du marché, l'impact est quand même assez faible. Et puis là, à l'autre côté du département, dans une autre commune, ce même fichier partagé représente cette fois quasiment les deux tiers des agences sur le marché. Donc ça, c'est une super nouvelle. Quasiment l'intégralité de la commune collabore dans le cadre d'un même fichier et c'est une excellente nouvelle. Seul problème, lorsque vous vous rendez en rendez-vous chez le client, vous avez 2 chances sur 3 pour que le confrère qui vous succède utilise le même argument du fichier partagé que vous. Et là, comment faire pour se différencier? Et c'est là que j'en viens à la deuxième limite du fichier partagé. Beaucoup trop de conseillers axent l'intégralité de leur argumentaire sur la prise de mandat exclusif sur cette appartenance à un fichier partagé, qui est une très bonne chose, qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Je vous le rappelle, je l'ai dit dans une prochaine vidéo et je le redirai, ce que vos clients achètent, c'est vous, votre personnalité, votre authenticité, et ce que vous êtes en tant que conseiller immobilier, la confiance qu'ils peuvent mettre en vous, hein, tout un ensemble d'éléments que vous allez dégager et qui sont finalement bien plus importants que les caractéristiques techniques du mandat que vous proposez. Et le fichier partagé est une des caractéristiques des services que vous proposez. Donc c'est important, mais c'est loin d'être suffisant. Donc, parlez-en, mais n'axez surtout pas tout votre argumentaire sur votre appartenance à un fichier partagé parce que ça ne suffira pas, surtout si d'autres conseillers font partie de ce même fichier. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette notion de fichier partagé. J'attends vos commentaires. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Je vous avoue que la vie n'est pas forcément tranchée de mon côté. J'ai connu un petit peu toutes les situations. Soit j'étais dans l'agence qui fournissait énormément de mandats au fichier partagé et qui était vendu par des confrères, et inversement. Donc, je pense qu'il y a de bonnes et de moins bonnes choses dans le fichier partagé. Mais surtout, comme je vous l'ai dit, ne mettez pas toutes vos billes dans le même panier. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter. Si vous voulez recevoir les suivantes, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou likez la page Facebook. Et moi, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Et d'ici là, be good, be different et be yourself. Ciao!